S'exprimer avec une jeune parente qu'on connaît bien, notre Nivernaise, ici qui devrait jouer les tout premiers rôles encore aujourd'hui, la nouvelle sociétaire de Réseau de Triathlon. D'ailleurs, qui nous accueillera, puisqu'on a eu la bonne nouvelle ce matin, que le Triathlon des zones était maintenu au niveau de l'organisation. Ils attendront bien sûr l'arrêté préfectoral qui va confirmer cette très très bonne organisation. Et puis je citerai également cette campagne, quatrième des Champions de France, longue distance à Cannes, c'était dès le mois de mai. Et bien, passons à Charleville-Clavel, la société des sables Vendée Triathlon d'Ossa numéro 2. Il devrait y avoir de l'animation de l'épée entre 200 numéro 2 et 240, et puis du côté des garçons. Et puis on va vivre également avec Romain Jou, qui va sûrement peut-être se succéder à lui-même, lui aujourd'hui porté 200 numéro 5, avec un Grégory Hénoux qui était monté sur la troisième marche du podium. C'était l'an passé sur un format sprint, nous sommes sur un format olympique. On va doubler les distances. Quand ça sera-t-il pour cette édition 2021? Bien, on sera à peu près un peu plus de deux heures. Pourquoi? Bien, on se souvient qu'il y a en 2010. Allez, c'est tout en images, en musique qu'on va pouvoir découvrir avec les ordres du Sarter ce départ 2021. On l'attendait depuis plus d'années, ce spectacle grandissime. Eh bien, c'est les filles, c'est les garçons qui nous proposent. Et tout de suite, on voit déjà avec son bonnet blanc-jaune, eh bien Anthony Panier qui est en train de s'illustrer, d'accompagner.